Bonsoir à tous. Je suis très honoré de prendre la parole au sein de cette journée d'études consacrée à la promotion du prochain manuel de patristique « Découvrir les pères de l'Église ». Très honoré parce que, parlant en dernier, je suis le seul des intervenants qui n'a pas participé à l'élaboration et à la concrétisation de ce manuel de patristique. Je remercie donc Madame Vanier de m'avoir convié à cette journée d'études pour vous proposer cette communication sur les pères de l'Église et la liturgie. Sujet très vaste. Le raisonnement fut simple pour moi. Comment allais-je aborder cette riche thématique? Fallait-il prendre une visée chronologique et géographique pour voir comment, à chaque époque de la patristique, on trouve des sources liturgiques? On peut penser à la Didaché ou à la tradition apostolique. On trouve des prières liturgiques comme les anaphores, les hymnes. On peut bien évidemment penser à tous les textes qui commentent les rites liturgiques. Je pense en particulier au genre littéraire des mystagogies qui représentent vraiment l'innovation, la création, mais en même temps la densité théologique de l'âge patristique. Bref, le chantier était très vaste. Or, en regardant le programme de cette journée, j'ai constaté que chaque intervenant évoquait un père de l'Église en particulier. Alors je me suis dit finalement, est-ce que je ne vais pas faire pareil? Un seul père de l'Église qui évoque la question de la liturgie. Mais alors lequel vais-je choisir? Et c'est là que mon intérêt s'est porté sur un père de l'Église en particulier, parce qu'il est sans doute le seul pour qui nous avons vraiment une trace de son initiation. Quelqu'un qui est passé du statut d'initié au statut d'initiateur. Il s'agit bien évidemment d'Augustin. À travers ses écrits, Augustin évoque son initiation chrétienne au sein de ses confessions. Mais en même temps, en devenant évêque d'Hippone, il laisse à notre disposition un très grand nombre d'homélies et de catéchèses mystagogiques où l'on peut mesurer l'importance de son enseignement liturgique. Alors tout d'abord, il faut reconnaître que les textes patristiques, en l'occurrence, comme je le disais précédemment, les mystagogies, constituent des sources incontournables pour la liturgie, puisque l'on y trouve des mentions explicites des rites et des textes. Alors pour Augustin, il y a bien évidemment celui qui l'a initié, Ambroise de Milan. Lorsque les catéchèses mystagogiques d'Ambroise, à savoir le De Mysteris et le De Sacramentis, furent publiés au sein de la collection Sources chrétiennes par Dom Bernard Bott en 1950, avec une deuxième édition revue et corrigée en 1961, son travail scientifique leva, après des siècles d'hésitation, l'attribution authentique de ces textes à l'évêque de Milan, de même que son Explanatio Symboli. Pourtant, si l'attribution fut bien authentifiée, 60 ans après, avons-nous pris la pleine mesure de cette source liturgique concernant les rites milanais? La théologie à la fois sacramentelle et sacramentaire des trois sacrements de l'initiation chrétienne, mais surtout leur influence sur Augustin. La question est simple. En quoi Augustin est-il redevable à Ambroise de Milan pour cette expérience fondatrice qu'est la conversion et l'initiation chrétienne? En tant que catéchumène, Augustin a entendu une explication du symbole par Ambroise. En tant que néophyte, il a entendu les catéchèses mystagogiques d'Ambroise durant la semaine de Pâques. La question première de cet exposé est celle-ci.
Et si Augustin avait entendu de ses oreilles l'explanatio symboli, le de mysteris ou le de sacramentis, même si ces trois textes sont les résultats de prises de notes de scribes, il n'empêche qu'une analyse comparative entre l'enseignement ambrosien et d'éventuelles harmoniques au sein des écrits d'Augustin mérite toute notre attention. C'est ce que je vous propose dans cet exposé. À partir des trois sources mentionnées, dont Bernard Bott a pu établir les rites liturgiques et les étapes catéchuménales à Milan. Est-ce que cela se retrouve dans les écrits d'Augustin, et en particulier les confessions? Ce sera l'objectif de ma première partie, concernant les confessions en général, et le point focal de ma deuxième partie sur une attention accrue concernant le livre neuf. Plus tard, en tant qu'évêque, Augustin aurait-il reconfiguré des éléments provenant des trois sources ambrosiennes lorsqu'il initiait ses propres catéchumènes? Ce sera l'objet de ma troisième partie. Dans une première partie, je vous propose de découvrir l'influence d'Ambroise de Milan au sein des confessions d'Augustin d'Hippone. Et cela en vous présentant sommairement trois étapes. Avant son entrée en catéchuménat, pendant son catéchuménat et après son catéchuménat. Les occurrences d'Augustin d'Hippone au sein des confessions évoquant la figure d'Ambroise de Milan, et cela avant son entrée en catéchuménat, on peut trouver trois chapitres. Tout d'abord, dans le livre 5, au chapitre 13, Augustin arrive à Milan pour occuper un poste de professeur de rhétorique, et c'est là qu'il mentionne sa connaissance d'Ambroise. Puis vient le livre 6, au chapitre 3, Augustin mentionne qu'il écoute l'enseignement d'Ambroise et que ce dernier lui apporte la lumière cherchée. Enfin, au livre 6, le chapitre 4, Augustin mentionne qu'il apprend à connaître la pensée de l'Église grâce à l'enseignement d'Ambroise. À côté de cela, il y a l'importance du livre 7. En effet, le chapitre 10, Augustin fait une allusion au mystère eucharistique en tant qu'admirable échange. Or, c'est très intéressant parce que cette expression fait partie de la prose ambrosienne. Vient ensuite, toujours au livre 7, le chapitre 13, où Augustin fait mention de l'importance des commentaires d'Ambroise de Milan sur les psaumes. C'est la première fois qu'il le fait. Puis vient, toujours au chapitre 7, le chapitre 19, où Augustin découvre combien Jésus est non seulement un homme d'une imminente sagesse inégalable, mais qu'il est aussi le Fils de Dieu. Il approfondit le sens du mystère de l'incarnation face aux différents courants qui véhiculent des erreurs de doctrine. Et c'est là déjà où l'on peut mesurer l'impact de l'arianisme dans sa formation. Et cette apologie de Jésus comme Fils de Dieu, Augustin va recevoir cette apologie et il en sera très sensible, bien évidemment, par la suite. Enfin, il y a le chapitre 21 du livre 7 où Augustin découvre l'écriture comme moyen d'illumination de l'intelligence. Indirectement, les homélies d'Ambroise de Milan lui permettent d'apprendre l'humilité et la piété. Attardons-nous à présent à l'influence d'Ambroise de Milan pendant le catéchuménat d'Augustin d'Hippone. Comme je l'évoquais dans mon introduction, grâce aux travaux de Don Bernard Bott, lorsqu'il publia dans la collection Sources chrétiennes le De Mysteris, le De Sacramentis et l'Explanatio Symboli, il put ainsi
retrouver, grâce aux mentions dans le texte, les rites et les étapes de préparation des catéchumènes. Et donc, c'est à la lumière de ce travail de Dom Bernard Bott que j'ai repris les confessions, où, à partir de certains chapitres, on peut en déduire les étapes liturgiques propres à l'Église de Milan. Par exemple, il y a le livre 8, au chapitre 2. Augustin annonce son désir du baptême en évoquant le terme de « régénération » qui, entre parenthèses, provient de l'héritage de Tertullien dans le De Baptismo, donc le premier traité du baptême de Tertullien. C'est lui le premier qui évoque le baptême dans sa dynamique purgative et régénérative. Donc là, il y a déjà un héritage patristique qui se met en place. Ensuite, dans ce chapitre 2, on peut supposer qu'Augustin évoque la période de pré-évangélisation, c'est-à-dire cette période entre la manifestation du désir de devenir chrétien et le rite officiel d'entrée en catéchuménat. Toujours dans le livre 8, il y a le chapitre 6. Augustin rencontre des chrétiens de Milan. Et cela semble parfaitement correspondre à cette période de pré-évangélisation. Et enfin, il y a le chapitre 12, où Augustin médite sur les écrits de saint Paul et décide alors de devenir chrétien. Cela semble correspondre au rite solennel d'entrée en catéchuménat, puisque c'est à partir de cette étape liturgique que le catéchumène pouvait déjà porter le titre de chrétien, même s'il n'avait pas encore reçu les sacrements de l'initiation chrétienne. Apparaissent maintenant les cinq chapitres du livre 9. Je ne vais pas développer, dans le cadre de cette première partie, ces cinq chapitres, puisque certains d'entre eux seront l'objet de la deuxième partie. C'est pourquoi nous allons tout de suite passer au livre suivant. Pour terminer cette première partie, il y a trois chapitres au sein des Confessions où Augustin, en tant que néophyte, fait mémoire d'Ambroise de Milan. Ce qui est extraordinaire, c'est que systématiquement, à partir de la mémoire des hymnes d'Ambroise, Augustin va développer des réflexions majeures. Soit il va mener des réflexions sur les plaisirs de Louis, ce que d'ailleurs il développera magistralement dans son traité sur la musique, le De Musica, soit il va développer la célèbre réflexion sur le temps et la mémoire, ou encore sur l'acte créateur. Ainsi, Augustin a bien été initié par Ambroise de Milan, mais surtout il a été initié par son génie créateur, qui s'exprime à travers ses hymnes et la cantillation des psaumes. Et nous voyons bien ici toute la fructuosité dont Augustin a su tirer profit pour ses propres œuvres. Ce bref parcours au sein des Confessions d'Augustin me permet cette petite conclusion. À savoir que l'héritage ambrosien des hymnes et des psaumes est incontournable pour Augustin. Il est clair que Augustin, se trouvant à Milan, il assiste à une création musicale et littéraire liée à la personnalité d'Ambroise, mais que cette création musicale et littéraire cristallise l'initiation chrétienne d'Augustin, mais en particulier d'un rhéteur. Et ça, c'est très important. Car en effet, les hymnes ambrosiennes et le commentaire des psaumes par Ambroise semblent opérer une fascinante synthèse entre le grammairien, c'est-à-dire l'héritage grec d'Alexandrie, et le rhéteur, l'héritage latin. Grammairien, Ambroise le fut, par son approche exégétique au sein des catéchèses mystagogiques, dans le même sillon de l'exégèse allégorique de Philon d'Alexandrie et généralisé au signe sacramentel par Origène ou Tertullien. Mais en même temps, Ambroise est rhéteur. Il le fut indirectement par la manière dont il développe
les trois caractéristiques fondamentales de la composition de ces hymnes. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'il se passe à Milan lorsqu'Augustin est là et qu'il décide de se convertir? C'est que toute la réflexion théologique sur le chant et l'hymne semble reposer sur un héritage commun. En effet, pour Ambroise de Milan, il y a les vestiges du grammaticus, c'est-à-dire l'héritage grec sur lequel a été fondé le travail de traduction de la Bible par Jérôme, de même l'exégèse allégorique avec Philon d'Alexandrie, par exemple sa vie de Moïse, l'interprétation qu'il fait du propitiatoire conduisant à une interprétation des noms divins créateur et seigneur, en même temps c'est l'exégèse d'Origène. Mais en même temps, avec Ambroise de Milan, il est clair que hymnographie et exégèse semblent aller de concert. Pour Ambroise de Milan, l'hymne est bien une excroissance de l'écriture, où le texte de l'hymne, dans sa littéralité, est à considérer comme un signe dont il convient de trouver le sens caché. La démonstration ambrosienne de l'interprétation du lavement des pieds dans son site liturgique, que l'on retrouve dans le De Mysteris et dans le De Sacramentis, atteste cette cohérence intrinsèque et synergétique entre écriture et signe sacramentel. L'interprétation de l'un, c'est-à-dire l'exégèse allégorique du texte, conduit à l'autre, c'est-à-dire une interprétation allégorique du signe sacramentel, et vice-versa. La compréhension de l'écriture conduit à la compréhension du signe sacramentel, et la compréhension du signe sacramentel conduit à l'intelligence de l'écriture. Le mot du texte a autant de valeur sacramentelle que l'eau ou l'huile ou tout objet servant pour les sacrements. Et il est clair que cet extraordinaire processus interprétatif arrive à son paroxysme chez Ambroise de Milan. Et Augustin a été témoin de tout cela. Il a été un auditeur. Lui qui venait des Manichéens, qui avait ce désir de conversion, il ne se trouve pas chez n'importe qui. Et il a été initié à la fois par une personnalité qui a déjà ce très haut degré interprétatif, à la fois de l'écriture et des signes sacramentels, dans une cohérence extraordinaire, mais en même temps, qui est un bouillon culturel de création à travers la psalmodie responsoriale et à travers ses hymnes. De plus, chez Ambroise de Milan, l'hymne semble adopter, par extension organique, les mêmes objectifs que la rhétorique. Et je vous propose ce tableau un peu récapitulatif. Vous voyez, c'est que selon la publication faite sous la direction du professeur Gérard Noroy dans la collection Sagesse chrétienne, de ce très beau volume consacré aux hymnes ambrosiennes, on peut très bien se rendre compte que pour Ambroise de Milan, il y a trois caractéristiques pour l'hymne, à savoir la séduction esthétique exercée sur l'auditeur par le chant choral, deuxièmement, l'illumination intérieure par la vérité de foi décantée par le chant du texte, et enfin, l'adhésion du cœur à ce jaillissement de la grâce. Voilà les trois caractéristiques issues de la réflexion ambrosienne sur l'hymne, que l'on trouve d'ailleurs précisément où ? Dans ses commentaires sur les psaumes. Mais si l'on compare ces trois réflexions ambrosiennes sur l'hymne à travers les vestiges du grammaticus, c'est-à-dire l'héritage grec d'Alexandrie, mais on retrouve presque les mêmes caractéristiques, à savoir la séduction esthétique parlée par Ambroise de Milan n'est-elle pas le parallèle avec la lectio, c'est-à-dire la capacité de l'oralité, c'est-à-dire savoir lire à haute voix, l'importance de recevoir un texte plus par les oreilles que par les yeux. Et la capacité du grammairien, c'est par les yeux, mais d'être capable de le restituer par la bouche, parce que l'auditeur
va le recevoir, le texte, par les oreilles. Ensuite, l'illumination intérieure proposée par Ambroise n'est-elle pas comparable à l'énarratio et à l'émendatio, c'est-à-dire expliquer le texte, critiquer la lettre même du texte? On voit bien que quand Ambroise compose ses textes, il y a après la nécessité de son explication, de sa dynamique critique. Le texte même de l'hymne ne va pas donner le sens immédiat. Quelque part, il va nous guider sur un chemin de sens, mais il faudra continuer une réflexion personnelle. Et enfin, la réflexion ambrosienne sur l'adhésion du cœur ne correspondrait-elle pas au vestige du judicio, c'est-à-dire cette capacité du grammairien à porter un jugement littéraire sur le texte, c'est-à-dire comme une espèce d'adhésion de cœur. Donc il est intéressant de voir comment Ambroise de Milan, lui-même dans sa réflexion sur l'hymne, eh bien va, reconfigurer les vestiges du grammaticus, la capacité de cette oralité, voyez, rendre un texte pour le rendre audible, et ça c'est très intéressant, la capacité de lire un texte avec les yeux pour le rendre audible par les oreilles. Ensuite, ce qui va se passer dans les oreilles va conduire à une illumination, on pourrait dire, si je reprends le terme baptismal, de l'intelligence, l'explication de texte, la critique de la lettre du texte, la fonction même du grammairien. Et enfin, cette interprétation, ce plaisir de l'ouïe va conduire à une adhésion du cœur, c'est-à-dire d'être capable de porter un jugement éclairé. Mais en même temps, ces trois caractéristiques de la réflexion ambrosienne sur l'hymne ne synthétiseraient-elles pas aussi les objectifs de la rhétorique selon Cicéron ? Parce que là, c'est l'héritage latin. Parce qu'en effet, selon la rhétorique, que doit faire le rhéteur ? Il doit placere, c'est-à-dire plaire. L'orateur, par sa manière de s'exprimer dans l'oralité, doit fasciner les oreilles. Il doit plaire. En même temps, le rhéteur doit docere, c'est-à-dire instruire. Et en même temps, movere, c'est-à-dire émouvoir, la dimension cordiale. Donc vous imaginez, Augustin, celui qui arrive à Milan en tant que rhéteur, qui va abandonner, qui va avoir ce désir de conversion, il rencontre Ambroise de Milan, qui lui a déjà cette grande envergure. Et on voit bien comment le rhéteur Augustin est fasciné par un autre rhéteur qui porte en plus en lui l'héritage des grammairiens et qui les reconfigure dans sa propre création esthétique, littéraire et exégétique, que sont la pratique de la psalmodie responsoriale, ses hymnes et en même temps ses catéchèses mystagogiques. Donc là, il est évident que Augustin se retrouve dans un bouillon de culture qu'il reçoit. C'est un récepteur authentique et on voit bien qu'à travers les confessions, il rend hommage avec ses mots à lui, mais à tout cet héritage que porte Ambroise de Milan. Et ça, je dirais que c'est un élément à la fois fondateur, et ce qui est caractéristique, et ce qui est magnifique quelque part, c'est que c'est par l'expression et par le génie d'Ambroise, et son génie créatif à la fois littéraire et musicologique, c'est par ce biais-là qu'Augustin va comprendre, comme une mystagogie, ce qui va se jouer au moment où il va recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Alors, dans une deuxième partie, je voudrais maintenant évoquer avec vous l'initiation chrétienne d'Augustin d'Hippone d'après les confessions, et en particulier le livre 9. Surtout à travers le chapitre 4 et le chapitre 6, où il y a quelques extraits particulièrement significatifs. Tout d'abord, concernant le chapitre 4 du livre 9. Ce chapitre est sans doute le plus pertinent pour notre propos, tant nous pouvons y percevoir l'influence indirecte de Tertullien, mais surtout l'enseignement d'Ambroise. Je voudrais évoquer la question
d'Augustin, lorsqu'il explique comment il est arrivé à cette décision de quitter sa fonction de rhéteur. D'emblée, il ne s'agit pas d'un rejet total. Au contraire, en son âme et conscience, il formule presque une action de grâce envers ce qu'il a reçu. Concrètement, il a relu tout ce qu'il avait consigné par écrit de ses débats philosophiques en public, ou avec son ami Nebridius, ou alors de ses réflexions personnelles. En les relisant, il se rend compte de son orgueil et de sa vanité. Mais il se rend compte également de l'action de Dieu, qui, en reprenant des formules de psaumes, va dompter, va aplanir les montagnes et collines de sa pensée, va redresser ses voies, va adoucir ses aspérités. Pour lui, en empruntant des images psalmiques, l'orgueil de sa démarche intellectuelle et professionnelle est comparable à l'odeur broyée des cèdres, alors que l'humilité est comparable à l'herbe salutaire. Pour Augustin, son erreur est comparable à une morsure de serpent, pour reprendre le livre de la Genèse au moment de la chute d'Adam. Mais le comble de l'orgueil semble être l'utilisation des capacités de rhéteur et de philosophe pour lutter contre le christianisme. Il prend pour exemple son ami Alypius. Il semble probant que sa conversion repose sur cette guérison de la morsure, c'est-à-dire une purification, une libération de l'orgueil pour être renouvelé dans la vertu d'humilité. Augustin semble prendre conscience que sa solide formation de rhéteur ne devrait plus être au service des erreurs de philosophes, surtout lorsqu'ils combattent la doctrine chrétienne comme les manichéens, mais être au service du christianisme. La philosophie des manichéens la conduit à l'orgueil, l'écriture le ramènera à l'humilité, et en particulier le livre des psaumes. Augustin expose l'importance du livre des psaumes pour son désir de conversion, son parcours catéchuménal et sa compréhension de la grâce baptismale. D'emblée, il considère le psaume comme une exclamation que l'on élève vers Dieu, c'est-à-dire dans son sens sémantique, le psaume désignant un cri. Mais aussi dans une dimension cultuelle, celle du sacrifice des lèvres ou sacrifice de louange. Augustin dit clairement que le livre des psaumes a été comme un remède contre l'esprit d'orgueil. Pourquoi ? Parce que la lecture et le chant des psaumes permet de faire l'expérience de la charité de Dieu. Augustin découvre l'amour de Dieu au contact des psaumes, qui deviennent comparables à un véritable chant d'amour du Créateur pour sa créature. Indirectement, Augustin a été vaincu dans son orgueil par l'amour que Dieu lui porte. Et son orgueil a été vaincu par les psaumes, où se révèle l'amour du Créateur envers sa créature. Augustin affirme en outre l'erreur des manichéens et surtout leur système philosophique de pensée élaboré contre les chrétiens et qu'il considère maintenant comme de l'ignorance. La lecture des psaumes non seulement le poussait à quitter définitivement les manichéens, mais à avoir une forme de compassion envers eux. Il est légitime de penser qu'Ambroise de Milan a eu une influence certaine sur la place centrale des psaumes dans le parcours d'Augustin. D'une part, parce que c'est lui-même qui initiait les chrétiens de Milan aux psaumes par son cycle de commentaires. Mais surtout, c'est Ambroise de Milan qui insuffla la pratique du chant responsorial des psaumes, pratique vocale, nouvelle et inédite à l'époque. Et Augustin est le témoin majeur de cet événement. D'ailleurs, comme on l'a vu, il le dira clairement lui-même au chapitre 8 et 12 du livre 9. Enfin, Augustin expose l'importance d'un psaume en particulier, le psaume 4, dans sa démarche. Il partage comment il prie les psaumes. Sans doute, est-ce la manière de dire la manière dont il est enseigné. C'est-à-dire, c'est comme un commentaire dialogal et linéaire. On lit à haute voix un ou plusieurs versets, puis on en fait un commentaire en alternance. On lit, on commente, on lit, on commente, on lit, on commente. Dans sa prière personnelle, Augustin semble imiter cette technique d'interprétation qui ressemblerait finalement
on va dire, à une sorte de midrash. La lecture méditée et commentée de ce psaume semble susciter chez Augustin une mise en tension intérieure qui sera d'ailleurs admirablement mise en récit entre la peur de ses péchés et l'espérance en la miséricorde de Dieu. Augustin va proposer un dialogue avec son lecteur par l'intermédiaire de ses confessions. Il commentera en direct quelques versets de l'Écriture, comme pour rendre compte de son cheminement. Il présente finalement une lecture croyante de ce fameux psaume 4, c'est-à-dire qu'il confessera que l'Esprit-Saint lui parle à travers la médiation de l'Écriture et du psaume en particulier. Le premier verset du psaume qu'il cite, c'est-à-dire le verset 3, va directement le remettre en cause face à son orgueilleuse vanité et à son erreur au sein du groupe des manichéens. Il reconnaît qu'il était complètement prisonnier de la flatterie, la vanité, et cela le conduira à être complètement aveuglé et à s'enfermer dans le mensonge et dans l'erreur. La suite de ce verset, c'est-à-dire le verset 4, va lui permettre de confesser sa foi à travers une sorte de reformulation du symbole. Il confesse la résurrection, l'ascension à la droite du Père, l'envoi de l'Esprit-Saint. Il reconnaît que c'est le mystère de l'incarnation, de la passion, de la résurrection, de l'ascension qui le sauve et le libère de la vanité et du mensonge. Et Augustin montre en outre comment la Trinité entière est à l'œuvre. Et c'est l'Esprit qui lui ouvre les yeux et l'intelligence pour comprendre qu'un don l'avait précédé et que quelqu'un était déjà venu le sauver. C'est ici un héritage de Tertullien que de considérer le baptême comme l'œuvre de la Trinité tout entière. On le retrouve dans le débaptissement. Augustin commente le verset suivant, c'est-à-dire le verset 5, et va déployer la mise en tension intérieure, mais une tension disproportionnée qui ne se situe pas sur le même plan. Augustin est comme hanté par la mémoire de ses fautes et de ses erreurs passées, mais il se retrouve face à l'amour que Dieu lui porte, indépendamment de sa faute. Ce mémorial de ses erreurs le met dans les ténèbres, mais il recherche la lumière intérieure, c'est-à-dire la lumière du visage du bien-aimé qui peut briller sur le visage des créatures. Et cette formule est également psalmique. Il s'agit toujours du psaume 4, mais le verset 6. En somme, à travers la méditation linéaire de ce psaume, Augustin vit un passage, une authentique Pâque intérieure, en passant des ténèbres du péché à la lumière de l'amour en Dieu. Dans le secret de sa chambre, il médite sur ses erreurs passées, il se reprend, il souhaite sacrifier ce vieil homme. C'est également dans le secret de sa chambre, en se préparant au bain du baptême, qu'il ressent déjà et fait l'expérience de la grâce de la miséricorde, c'est-à-dire la douceur et la joie d'être aimé en vue d'être sauvé. Il vit déjà du sacrement du baptême avant même de l'avoir reçu. Et cette expérience spirituelle d'anticipation des fruits de la grâce le conduira au renoncement définitif de ses erreurs passées. On peut ainsi comprendre même le rite officiel et liturgique avant d'être baptisé du renoncement, comme la volonté de rejeter ses erreurs passées et de choisir, c'est-à-dire de plonger dans l'eau de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour seul qui conduira à la vie bonne. Le commentaire du verset suivant, c'est-à-dire le verset 7, ne va pas qu'accentuer le désir d'Augustin de se convertir et de recevoir le sacrement du baptême. Il veut la paix et par conséquent, il ne veut plus connaître autre chose que Jésus-Christ. Il reprend le déterminisme christologique paulinien. Il veut renoncer pour ne rechercher qu'une seule chose, Jésus-Christ, mais à travers la médiation et l'intelligence des Écritures. Plus il lit l'Écriture comparée à du miel, plus il sent en lui cette tension qui ne peut se résoudre que par cet ardent désir de connaître, d'être illuminé. Il est assez impressionnant de voir le désir d'Augustin sans cesse grandissant. Plus il lit les psaumes,
plus il a envie de lire. Plus il comprend l'Écriture, plus il a envie de comprendre. Son amour et sa recherche de Dieu sont de plus en plus grands, et pour cela, il souhaite de plus en plus se convertir et changer de vie. C'est pour lui le signe de la volonté de Dieu. Ainsi, à travers ce commentaire personnel du psaume 4, Augustin rend parfaitement compte de la préparation des catéchumènes à cette période de l'Antiquité. Ils vivaient comme une retraite pénitentielle, avec une insistance sur la prise de conscience du renoncement et la dimension purgative du bain de la nouvelle naissance. Il faut renaître nouveau pour recevoir une grâce plus grande encore, celle de la consécration dans l'esprit, pour s'offrir en offrande agréable à Dieu. Il est impressionnant de voir qu'à travers ce commentaire du psaume 4 qu'a délivré Augustin, que nous avons une reconfiguration, mais vraiment des attentions, de l'enseignement d'Ambroise de Milan aux catéchumènes, que l'on retrouve en particulier dans les catéchèses mystagogiques du De Mysteris ou du De Sacramentis en ce qui concerne le rite de la renonciation, c'est-à-dire au moment où les catéchumènes renoncent à Satan, à l'origine du mal, renoncent aux tentations, renoncent aux œuvres du mal, avant de confesser la foi et d'être plongés dans le bain du baptême. Autant le chapitre 4 du livre 9 et le commentaire donc du psaume 4 est vraiment une exégèse allégorique, je n'ai pas le temps, bien évidemment, d'évoquer le chapitre 6 du livre 9, mais je voudrais quand même faire mention que dans ce chapitre, Augustin fait mémoire indirectement de deux rites, à savoir la reditio symboli, donc à ce rite où on redit le symbole de la foi, ainsi que le moment de la veillée pascale où sont conférés les sacrements de l'initiation chrétienne. Ce qui est le plus intéressant, c'est que la narration lyrique de son souvenir de la veillée pascale au sein de laquelle il fut baptisé, permet à Augustin de comprendre pourquoi il parle de son livre le De Magistro, ce livre très énigmatique, réflexion extraordinaire sur le langage. Après avoir consacré les deux premières parties de cet exposé à l'aspect, on va dire, où Augustin était un initié, la manière dont, à travers les confessions, il reconfigure ce que l'on peut retrouver dans les catéchèses mystagogiques d'Ambroise de Milan, le De Sacramentis, le De Mysteris ou l'Explanatio Symboli. Dans la troisième partie de mon propos, je voudrais parler maintenant de l'aspect lorsqu'Augustin est initiateur, c'est-à-dire en tant qu'évêque. Il y a un sermon en particulier, le sermon 223, où Augustin d'Hippone s'adresse à des catéchumènes, et il s'agit du deuxième sermon sur le symbole. Alors ce sermon a quelque chose de particulier, parce que je pense que c'est celui-là même qui nous permet vraiment de faire le lien avec l'héritage d'Ambroise de Milan. C'est-à-dire comment est-ce que, au moment où Augustin est évêque, au moment où il est initiateur, ce qu'il a reçu en tant qu'initié va se trouver complètement reconfiguré pour les catéchumènes. Alors, dans ce sermon, empruntant à Ambroise de Milan, Augustin commence par un simple rappel. Déjà, il rappelle que le symbole de la foi est un abrégé de la foi où la sobriété des mots permet de déployer l'enseignement dans toute l'orthodoxie de la doctrine. Or, ici, Augustin ne fait que reprendre les introductions d'Ambroise de Milan au sein de son Explanatio Symboli. Alors il commence tout de suite par le commentaire des articles. Et comme pour le sermon numéro 1 sur le symbole, Augustin ne cite pas directement dans son commentaire le texte du symbole. Mais son commentaire permet de cerner des allusions indirectes à des formules issues du symbole. Or, si on essaye d'analyser ces formules, on voit bien que dans ce deuxième sermon sur le symbole, nous retrouvons l'utilisation du texte du symbole romain primitif. Augustin semble donc conserver la primauté et l'autorité de ce texte selon les recommandations même d'Ambroise de Milan à ses catéchumènes, car dans son Explanatio Symboli,
Ambroise, pardon, décrit à ses catéchumènes pourquoi il choisit le symbole romain primitif plutôt qu'un autre. Alors, s'il y a un aspect que je voudrais vraiment retenir avec vous, c'est lorsqu'Augustin développe au début un commentaire sur le Père, où le terme « tout-puissant » semble être le point central et capital. En effet, c'est à travers sa paternité et surtout sa miséricorde que Dieu révèle sa puissance. La bonté et la puissance du Père se manifestent à travers la rémission des péchés. Voilà la thématique centrale qui va coordonner le commentaire du symbole. On va dire que c'est le point un petit peu focal. Pour ce faire, Augustin élabore son commentaire en trois temps. Tout d'abord, un dialogue fictif où il y a un homme qui a conscience de sa vie de péché et se demande si Dieu sera assez puissant pour pardonner toutes ses fautes passées. Or, n'est-ce précisément pas ce qu'Augustin a décrit dans ses confessions lorsqu'il commentait le psaume 4, où dans son commentaire, il y avait cette mise en tension narrative entre ses péchés d'un côté et la miséricorde de l'autre, avec cette nécessité du renoncement pour cette nouveauté, pour accueillir cet amour qui a précédé sa faute. Ensuite, toujours dans ce commentaire, il y a l'évocation d'un psaume qui confirme l'infinie miséricorde de Dieu. Mais n'est-ce pas finalement l'allusion au psaume 4 qu'il a commenté dans ses confessions ? Enfin, il associe à l'acte de miséricorde à travers la rémission des péchés avec l'acte de création. En fait, Augustin semble montrer la miséricorde de Dieu comme un acte de nouvelle création. Dieu le Père est créateur, mais sa toute-puissance se manifeste également dans cette nouvelle création qu'est la miséricorde. Or, cette perception de nouvelle création, de libération des péchés, n'est-elle pas l'expression même de la grâce baptismale, selon l'héritage du débaptismo de Tertullien, et que nous avons déjà pu remarquer dans les chapitres des confessions que je vous ai commenté précédemment. En fait, à travers cet argumentaire en trois temps, Augustin semble indirectement évoquer son propre parcours de catéchumène et sa propre expérience de conversion. Nous l'avons vu dans le livre neuf des confessions, n'est-il pas cet homme qui avait tellement pris conscience de ses erreurs, de ses fautes et de son désir de changer, de se convertir radicalement? Ayant conscience de ses fautes, comment Dieu peut-il aller jusqu'au pardon? Augustin n'est-il pas celui qui, toujours d'après les confessions au livre 9, découvrit le mystère insondable de la miséricorde grâce à l'enseignement sur les psaumes d'Ambroise de Milan? Enfin, n'est-il pas celui qui a pris conscience que le mystère du baptême lui apportait non seulement la délivrance de ses péchés anciens, mais en même temps la régénération? Finalement, la toute-puissance du Père n'est-elle pas celle décrite au sein de la parabole du fils prodigue selon l'évangéliste saint Luc? Indirectement, Augustin n'a-t-il pas été, d'après les confessions, comme le fils prodigue, celui qui a fait l'expérience de la toute-puissance du Père à travers la grâce du baptême qui libère et régénère? Même devenu chrétien et évêque, Augustin reste toujours émerveillé par la toute-puissance de Dieu qui se manifeste par la rémission des péchés. Alors, le temps ne me permet pas de vous développer lorsqu'Augustin apporte son commentaire sur le Fils pour montrer comment il est tout-puissant. De même, son commentaire original sur le Saint-Esprit, je voudrais tout de suite aborder la dernière partie où Augustin commente la rémission des péchés comme le point de convergence de l'argumentaire de son sermon. En effet, lorsqu'Augustin commente la rémission des péchés, son commentaire est sans doute le plus élaboré de tout le sermon. Il semble être la pointe de son argumentaire où tout ce qui a été dit avant semble y converger. Il fait explicitement mention du baptême avec les mêmes termes que Tertullien, issus du débaptismo,
purification, bain salutaire de la régénération. Il reprend l'apologie de l'eau d'après Ambroise de Milan au sein du De Mysteris, en particulier les interprétations typologiques du passage de la mer Rouge. Il reprend également du De Mysteris d'Ambroise le lien entre l'eau du baptême et le sang de la croix, mais à la différence du texte biblique commenté. En effet, pour faire ce lien entre l'eau du baptême et le sang de la croix, Ambroise de Milan propose une interprétation allégorique du déluge. Par contre, Augustin garde le passage de la mer Rouge. Il en propose cette interprétation allégorique où la mer Rouge étant l'annonce de ce lien entre l'eau baptismale et le sang sur la croix. Ce passage préfigure le rite baptismal. Le catéchumène entre dans la piscine baptismale comme les Hébreux étaient entrés dans la mer Rouge. Le catéchumène sort de la piscine baptismale lavé de ses péchés, comme les Hébreux sont sortis débarrassés des soldats qui sont morts dans la mer Rouge. À la lumière de ce passage, Augustin propose un lien très audacieux. Le sang versé du Christ sur la croix lave tous les péchés, et l'on participe à ce mystère par la médiation de l'eau baptismale. Et c'est là le signe de la toute-puissance de Dieu, c'est là qu'elle se manifeste, c'est là qu'elle se concrétise. Ensuite, Augustin annonce la traditio de la prière dominicale, donc c'est-à-dire la prière du Notre Père, puisque je rappelle que nous sommes dans le cadre d'un sermon sur le symbole qui avait sans doute lieu pendant la reditio symboli. Donc on va maintenant remettre au catéchumène le texte du Notre Père, donc la traditio de la prière dominicale. Et là aussi, Augustin va plus loin qu'Ambroise de Milan, en disant que l'on prolonge la grâce baptismale de la rémission des péchés par la prière de l'Église. Prier le Notre Père, c'est prolonger cette grâce baptismale de la rémission des péchés. À la fin de son sermon, Augustin rappelle que la toute-puissance était le thème principal et que cette toute-puissance de Dieu se manifeste dans cette œuvre de la rémission des péchés. Mais quelque part, nous avons pu voir qu'à travers ce sermon, eh bien, Augustin a pu faire mémoire de son propre cheminement personnel, a pu faire mémoire de l'importance du psaume, en particulier le psaume 4, qu'il a commenté dans les confessions et qui lui a permis eh bien, de reconfigurer ce qu'Ambroise de Milan pouvait dire aux catéchumènes, en particulier en ce qui concerne le rite du renoncement avant d'être plongé dans le bain, dans sa dynamique purgative et régénérative. Là, vraiment, l'initié est devenu initiateur. Ce qu'il a reçu, eh bien, il le transmet à sa manière, il le reconfigure avec des textes bibliques qui changent, avec des apports un petit peu nouveaux, mais il est clair qu'il a été marqué par Ambroise de Milan et qu'il restitue à ses catéchumènes ce qu'il a reçu de l'évêque milanais. Je vous remercie.